Deux ados avec vous, Marianne Chazelle, et des réponses du tac au tac. Un cauchemar récurrent avant la première d'une pièce. Être enfermé dans un lieu où il n'y a pas d'issue. Une mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser. Manger avec les doigts. Le cliché sur les comédiennes qui est vrai. Qui est vrai. Elles sont chiantes. D'accord. Vous n'avez plus de batterie sur votre iPhone. Quelle est votre réaction? Ah, je suis perdue. Catastrophée. Est-ce que vous pourriez tomber amoureuse d'un homme de 20 ans de moins? Certainement. Est-ce que vous avez déjà subi des violences de la part d'un homme? Non. Peut-être vous... psychologique. Qu'est-ce que vous avez déjà fait d'illégal? Voler. Il y a longtemps? Oui, quand j'étais étudiante. Je faisais un marché avec un copain, on rentrait dans le magasin, on faisait notre marché, on sortait sans payer. On avait très peu de sous, j'étais boursière pour m'excuser, hein, à ma défense. Qu'est-ce qui est insupportable quand on partage votre vie? Mais rien, c'est un rêve absolu. Si, je suis assez bordélique. Voilà. Je ne suis pas très, très bien rangée chez moi. Marianne, la critique qui vous a le plus blessée? Que j'étais prétentieuse. Comment vous rattrapez-vous lorsque vous êtes à l'origine d'une dispute avec votre compagnon? Comment je me rattrape? Je lui dis que j'avais tort. Ça marche toujours, je vous le conseille. Pas mal. Si vous étiez un personnage historique, qui seriez-vous? Oh là là. Marie Curie. Qu'est-ce qu'il y a de rigide en vous, un peu de réac? La politesse. Et les photos. Demandez la permission. Ah, vous n'aimez pas qu'on vous prenne en photo sans vous demander? C'est-à-dire qu'avec ce téléphone, si vous voulez, maintenant, vous avez des photos trous de nez qui sont particulièrement moches. Et puis surtout, bon, juste demander si on peut, quoi, c'est tout. Ça serait gentil. Je passe le message. Qu'est-ce que vous dites à un ami comédien après la première d'une pièce que vous n'avez pas du tout aimée? Ça, c'est terrible. Je dis, quel boulot. Mais quel boulot. À mon avis, il comprend. Il comprend tout de suite. Si votre compagnon commettait un crime, vous le dénonceriez ou vous l'aideriez à cacher le corps? Ah, oh la vache. Ça dépend quel corps. Tout dépend du corps. Sur quel sujet vous n'avez aucun humour? Sur quel sujet j'ai aucun humour? Sur la maltraitance des enfants. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous êtes heureuse dans la vie? Je peux faire des pics à 9. Mais ce sont des pics. Je peux faire des pics. Et une moyenne de... Oh ben, s'il n'y a pas de moyenne, hein, parce que ça peut baisser aussi à moins 9. Le code social, la convention sociale qui vous agace le plus? Un truc que je trouve terrible, c'est quand on met sur une enveloppe Monsieur et Madame Jean-Paul Leglu. Ne plus avoir de patronyme et ne plus avoir de prénom, c'est ça? Quand alors, on est femme. Ça me semble invraisemblable. Le mot d'amour le plus sensuel, le plus érotique? Mon bouchon. Le pire tue l'amour? Les chaussettes. Est-ce que vous auriez aimé naître homme? Non. Qu'est-ce que vous faites en cas de déprime? En cas de déprime, je vais marcher. Je regarde un film drôle. Et je pense à la guerre de 39-45. Si je vous dis Jeanne Moreau. Ah oui, oh Jeanne Moreau. Alors Jeanne Moreau, pour moi, c'est moins le cinéma que j'ai découvert plus tard que ce merveilleux disque qu'elle avait enregistré et dans lequel il y avait des chansons que j'avais adorées, qui était un disque, je crois, de... C'était qui? C'était Serge Lasvani, et c'était une merveille. Et ma grande sœur avait acheté le vinyle et j'ai découvert ça avec émerveillement. Particulièrement le tourbillon de la vie. Nous, on l'aime, cette chanson. Je l'adore.